Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Petite présentation de nos anciens Leusy 8 Egg 2.0 et 3.0. L'aventure elle a bien commencé ici, c'était avec un roller que j'avais acheté pour ma compagne. Sur cette vidéo, qui est d'époque, ça date quoi, de 2015 à peu près. Première sortie, j'avais monté une vieille électro B-Wing. Et puis vous allez le voir, première sortie, j'ai été gâté hein, pour ce premier essai. C'est ce qui a dû se passer, voilà, la voiture s'arrête, ça fume. Ah là là, ça commençait bien. Et donc, j'avais un très vieux moteur, je pense que c'est le moteur qui a mis en vrac mon contrôle qui était plaqué contre les lipos, s'est enflammé au bout de quelques secondes très rapidement, donc... disons pour un premier essai, ça avait fait fort, hein, voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc j'avais vu que les lipos s'étaient enflammés, j'avais rien autour réellement pour l'éteindre, et je voulais pas prendre de risque à saquer la carreau, donc j'ai laissé faire, hein, je le dis, hein, on va pas prendre de risque inutilement, et en fait... ce 8 Egg 2.0 EU, je précise, n'a quasiment rien eu, hein, hormis deux lipos 2S cramés, le moteur HS et le contrôle HS. Il n'y a quasiment pas eu de dégâts, quoi. Même le support batterie, j'ai pu le réutiliser par la suite. Voilà. Donc, je vais vous mettre en photo, vidéo de toute cette aventure, puisque je me suis pas laissé abattre. Hein, on a continué. Hein, là, sur ces véhicules-là, je les ai transformés à toutes les sauces, hein, buggy, rally game, short course. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la suite en photo et petite vidéo.
Voici l'étendue des dégâts, hein, donc le contrôle inexistant, et les deux lipos 2S, HS, et puis le moteur, ben lui, c'était pour moi, c'était lui qui avait mis en court-circuit le contrôle. C'était un moteur que j'avais refait plusieurs fois, remplacé les roulements, mais bon, il était bouffé, tché bouffé, hein, maintenant je joue plus à ça, hein, c'est tout, voilà, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose. Le véhicule en lui-même n'a presque rien eu du tout. C'est impressionnant quand même, quoi. C'est voilà, les deux lipos. C'est les deux lipos 2S, hein, HS, voilà, qui se sont enflammés immédiatement. Voilà, on voit que ben il y a. Bon, en fait, hein, il y a eu plus de peur que de mal. Hein. J'ai bien fait de ne pas prendre de risque à vouloir éteindre le feu, puisque j'avais rien sous la main. Donc, voilà, ça s'est fait tout seul au bout de mémoire. Ouais, pas loin de 30 minutes quand même, quoi, avant de pouvoir y toucher.